La force est en Dieu. Chers amis, aujourd'hui nous venons pour une méditation très spéciale. Et Haïti vivra, mission Ebenezer de Gonaïve, invité vous pour garder dans Philippiens chapitre 2, versets 12 et 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Verset 13 a dit, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Nous joignons en pile réflexion qu'a fait dans le temps. Inégalité sociale, injustice économique, je dis, avait tellement clair pour tout le monde qui j'en bas la tapé dans le monde là. On a demandé si tout le monde était en connaissance, c'est comme ça que le peuple a vivre, différentes classes dans la société a vivre, différentes nations a vivre, y'en avec l'autre. Parce que pays, monde ça, planète ça, carité, puis longtemps comme ça. Et dans l'état détérioré, on a eu espoir, ah bah il va changer. Avec ça qui a passé là, on est là, qu'on a mis tout le monde sur le même pied d'égalité. Puis le monde a prisonné comme ça. Mais il y a un qui est à la grave. Il y a un compte, qu'on n'a pas arrangé de causer ça. Il y a un fin passé, un autre catastrophe, un autre désastre, un autre. Il y a un non. Pas un remède sous terre pour maladie que le monde gagne. Maladie, ça a dit les péchés, depuis le temps entré, elle prend toute qualité forme. Parce que le sida est à peine entré dans le monde. On a dit, oui, toute qualité symptôme, toute qualité maladie. Venez pour dire, c'est même sida qui a changé, il y a des diarrhées, il y a même qui a fièvre, il y a même qui a ceci, il y a même qui a cela. Et c'est ça, c'est le péché. Aujourd'hui, tout le bagage que nous avons parlé, il y a pas aucune autre source, péché. Mais nous, qu'on a perdu du temps, nous, à gommer avec symptômes. C'est vrai, là, la parole de Dieu dit nous, c'est pour notre travail, à notre salut. Mettez en œuvre notre salut. Ça veut dire, au milieu de nous, autour de nous, tellement de bagailles qui ont nuit à paix, nous, qui font nous sentir le monde, ça, le monde pour vivre là-dedans, ou dans la vie quitter. Mais, la Bible promet nous, que bon Dieu t'a gardé nous dans la paix, nous-mêmes qui croyons en lui, qui confions nous en lui, nous devons gagner paix dans la adversité, nous devons gagner paix dans la détresse, nous devons gagner paix dans la épreuve, nous devons sentir la joie de l'Éternel toujours avec nous. Et c'est ça notre force, la joie de l'Éternel. Bon, si ce n'est pas l'Éternel, là où vous l'étendez, que force ou joie ou paix, ou, c'est dans l'Éternel, il n'y a pas grand autre remède qu'à proposer. Nous avons des Haïtiens aujourd'hui qui sont bien formés, bien formés, entre guillemets. Ça veut dire qu'ils ont fait de grandes études dans des universités bien cotées. Et puis, on a dit, Annex a formé, il a dit formé. Mais après, on met toute bagarre à terre sous table. Ça le mettait, c'est gravité, situation, on est plus exposé. Il fait des propositions de solutions. Mais propositions, solutions, il fait, ou encore, c'est tête chargée, ça va. Comment on va le faire, il va faire cette grande histoire. Oui, souris rassemblée pour mettre chat dans le lit. Et puis tout le monde dit, mais nous n'avons rien pour nous faire un séance, ton petit cloche, on va mettre dans le coulis. Et puis il a venu, tout le monde attend. Il n'y a pas de chance, on sourit pour le manger. Ah ben, ok, bravo, bravo. Il a venu à ça, il est célèbre. Mais on a l'autre petit qui dit, qui est-ce qui va le mettre, monsieur? Ok, mais un clochard, qui laisse qu'il va le mettre? Tout n'est fait bac. Oui, nous avons une solution. Mais qui est-ce qui va l'appliquer, la solution ça? Nous avons besoin de monde qui a dit qu'il n'y a pas fait. Nous avons cherché monde qui a fait. Mais c'est peut-être ça que nous avons besoin de ce bon Dieu. C'est lui qui produit en nous le vouloir et le faire. L'université va mettre en nous vouloir, va mettre en nous. On sait des bagages pour dire même des marchés, mes stratégies qu'on a utilisé, etc. Mais faire bagages l'aboutir, c'est Dieu qui est capable de faire l'aboutir. C'est ça, ça veut dire le pouvoir de faire, le pouvoir d'accomplir, le pouvoir de réaliser nos ambitions,
Dieu seul détenir, Dieu seul gagne la main. Donc, comme ça, nous venons devant, comme on dit, nous suspendons le bâton, nous suspendons à chercher à droite, à chercher à gauche, saluer dans Dieu, ou nulle part ailleurs. On n'a pas besoin de bâton encore. On a dit, ça n'est que ça a réglé là, là, le fait mettre dans la chambre, la prier. Ça n'est que ça a fait là, la prier Bible. Ça n'est que ça a fait là, nous, ouais, nous chitons ensemble. Il a dit, on nous cherche bon Dieu. Amen, nous dit, n'est que ça, on est pour nous compter sur. Au lieu, il a fait ceci, il a fait cela. Mais nous, ouais, on ferme un côté, après le bail là. Ça, ça baille. Amen, qui dit, nous, il attendait la voix de Dieu, qui voyait, il a fait un bagage spécifique, et c'est bail ça, côté délivrance. Mais, tout ça nous connaît, nous par contre qui ça pour nous manger, mais ça nous connaît. Finalement, nous avons un gros problème. Et même si nous connaissons qui ça pour nous manger, les gens pour nous manger. Est-ce que l'adversaire a tout à quitter nous manger? Il y a toutes les choses qui sont posées. Et puis, ça fait nous retourner à l'éternel. Parce que l'Éli même dit, l'a fait, qui est-ce qui a empêché le fait? Si nous n'avons pas d'être suprême, ça nous connaît. Moi-même, je ne sais pas si j'ai une autre solution. Moi, je me propose un bagage qui marche dans la vie, pam. Chaque fois que j'ai une difficulté, je ne parle pas rien, je parle à droite, je parle à gauche. En bien, je lève les yeux vers la montagne et je me demande côté secours qui est venu. Le secours me vient de l'Éternel. L'histoire de Dieu.